Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 février 2022. Comme toujours, on va voir l'ambiance générale avec les cartes oracles, le voyageur sacré, Umrazai. J'ai pris le Lumina Tarot. En résultante, j'ai pris les yeux de l'intérieur et puis comme d'habitude, le petit oracle des couleurs. Prenez ce qui vous parle en fonction de vos ressentis, lâchez prise aussi également. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je voulais remercier aussi les abonnés de me suivre pour vos commentaires. Je voulais souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci, merci. Ça m'encourage à continuer et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Soit je mets un petit cœur ou soit je réponds avec grand plaisir. Allez, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Et en première carte, nous avons les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Waouh! Bien, il y a de la nouveauté. Au gré de la route, appréciez le voyage. Ok, ça peut être des nouvelles démarches. Vous avez pris une décision pour commencer des nouvelles démarches, pour changer votre situation professionnelle, pour investir dans un projet ou quelque chose d'autre. Ou ça peut être tout simplement pour agrémenter votre quotidien. Et avec cette carte au gré de la route, appréciez le voyage. On a ce renard, alors ça me fait penser au Lenormand, bien entendu, avec ce plan et la boussole. Donc, ayez une forme de stratégie, préparez bien vos plans, lisez bien toutes les lignes si ça concerne un contrat. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de plutôt sympathique que j'ai envie de dire, mais on vous informe également avec cette carte-là de bien vérifier tous les faits, hein, si c'est en fonction de la situation. De bien lire le contrat comme je l'ai déjà dit, de faire preuve de stratégie, de vous organiser hein, pour avancer pas à pas et en toute sécurité j'ai envie de dire et en confiance parce que eh bien soit ce sont des opportunités qui arrivent à vous que vous n'aviez pas prévues, soit vous êtes initiateur de ce changement hein, ou de cette nouveauté dans votre vie. Cependant, on vous demande effectivement d'avoir un regard vigilant, d'avoir le sens de l'observation, de vérifier les faits si nécessaire pour pouvoir avancer sans avoir de mauvaises surprises, si j'ose dire. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 15, la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous, à peine une voie d'expression. Ouais, il y a quelque chose qui en vous frémit, c'est comme s'il y avait... Vous sentez qu'il faut apporter du changement ou bien vous avez une idée, une illumination, je vais y arriver quand même, hein. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de sortir de quelque chose, vous avez envie de vivre, vous avez envie de savourer la vie aussi, hein. Quelque chose de cet ordre-là, hein. Ça vous prend aux tripes hein, avec cette carte-là, la danse de la vie. En plus, elle correspond à la numéro 15, à la tour. Hein, donc, il y a quelque chose. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a une révélation. Il y a quelque chose en vous qui fait que non, maintenant, je sors de ma procrastination. Je bouge, je vais de l'avant et je mets en place ce qu'il faut mettre en place. Et là, on canalise. On va voir la suivante, justement. Oui, c'est bien ce qui me semblait. La multidimensionnalité de l'être. Réveiller le mage et le dragonnier en vous. Avec la numéro 17. Qui apporte de la douceur, qui contrecarre un petit peu. Mais dans le bon sens du terme, parce que c'est la numéro 17, c'est la carte de l'étoile. C'est-à-dire que ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, c'est ce qui me vient là en tête. C'est-à-dire qu'on est dans une forme, alors vous allez être inspiré, vous allez être guidé. On vous demande de vous réveiller, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous êtes dans une phase de vie où c'est plutôt monotone, où vous vous ennuyez. Il manque ce petit peps, vous voyez ce que je veux dire ? Hein, ce petit côté qui fait que on a le sourire, on a la joie, hein, vous êtes peut-être dans une certaine routine et là il est temps de casser cette routine. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être vous qui allez casser cette nourriture, j'allais dire n'importe quoi, cette routine. Ou bien c'est quelque chose qui va venir à vous, qui va vous réveiller, qui va vous... C'est comme si vous allez vous dire, ah mais oui, mais non, mais non, mais là je me trompe, là ça va plus, là il faut que j'agisse autrement, c'est terminé, ça ne me convient plus. Il y a peut-être une prise de conscience hein, pour certains d'entre vous, hein. Comme je disais par rapport à votre quotidien,
de gérer autrement. Peut-être qu'à chaque fois, vous aviez du mal à vous organiser, vous terminiez les journées sur les rotules, fatigué, etc. Et là, non, il faut que je m'organise autrement. Ça peut être dans le domaine professionnel comme le domaine relationnel, relationnel en général, hein, incluant les relations amicales, familiales et sentimentales. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, en première carte, j'ai la 6 d'épée. Ouais, retrouvez la lumière. Hein. Il y a pour certains, voilà, vous êtes dans une phase où vous étiez dans une phase où bon, c'était un peu lourd. Et là, vous voyez, on retrouve les étoiles. Il y a ce côté aussi d'avoir la foi en soi, de croire en soi, de se sentir guidé, de se sentir inspiré, de retrouver aussi l'inspiration. Peut-être que certains vous retrouvez une certaine inspiration. Et du coup, par rapport à un projet créatif, par rapport à soi-même, ça peut être une élévation mystique. Ça peut, voilà, il y a plein de choses, hein. Mais il y a une forme de retrouver l'inspiration et de croire aussi en sa lumière, même si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que rien ne va. Essayez de voir, même si la lumière elle est toute faible, toute petite, focalisez-vous dessus. En deuxième carte, nous avons la 4 d'épée, hein, tout ce qui est méditation, repos. Alors repos, ça ne veut pas dire dormir, hein, en soi, mais c'est prendre du recul, se poser le mental aussi. Hein, et vraiment pour être inspiré au plus profond, pour être à l'écoute de soi-même, de son intuition, de ses guides en fonction de vos croyances. Hein. On a encore cette douceur qui est là. Et là, on vous conseille vivement que c'est une bonne semaine, effectivement, pour commencer de nouvelles choses. Mais en douceur, sans précipitation, je ne fonce pas, je m'organise avant, je conscientise tout cela. C'est-à-dire que peut-être au fond de vous, il y a quelque chose qui émerge. Et donc là, vous avez besoin du mental pour conscientiser, vous organiser et mettre à plat les choses. Par exemple, hein, ça peut être un conflit qui dure avec certaines personnes. Et là, il est temps de mettre les choses à plat parce que vous avez pris suffisamment de recul. Vous n'allez pas vous exprimer avec la colère. Par exemple, hein, je cite cet exemple. Ça peut être aussi, eh bien maintenant, il est temps d'effectuer ce fameux achat immobilier sans être dans cette crainte de ne pas pouvoir, etc. Vous avez fait le nécessaire, vous allez établir un plan, prendre rendez-vous avec votre banque, etc., pour voir comment vous pouvez faire un crédit, etc. Quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, nous avons la 7 de bâton. C'est la carte de la persévérance, hein, le 7 de bâton. Ouais, 10 d'épée. Il est temps. Il est temps. Alors, un 10 d'épée est toujours encourageante, même si elle est sombre là, comme ça, au premier abord. Parce que le 10, on recommence. C'est-à-dire qu'on recommence sur de nouvelles bases en prenant en compte nos expériences passées. Et là, il est temps pour vous et vous avez envie. Et de commencer autre chose. Et avec ce 7 de bâton, on vous demande de vraiment de croire en vous, de croire en votre fort intérieur. C'est une carte de défense également. Défendez votre vérité, ce qui est juste pour vous. Hein. C'est comme si, lors des discussions, par exemple, vous avez une idée en tête, vous la partagez avec quelques personnes et certaines risquent de vous répondre: ah mais non, ça va être trop compliqué, ah mais non, t'as pas les capacités, ah mais non. Au niveau administratif, il y a trop de paperasse, etc. Ils vont essayer de vous décourager, par exemple. Et donc là, on vous dit, non, croyez en vous. Si vous avez une idée, tentez. Qui ne tente rien n'a rien. Hein, ne soyez pas dans le regret quelques mois ou quelques semaines ou quelques années après de ne pas avoir tenté quelque chose. Donc, tout ce qui est nouveaux projets sont favorisés. Tout ce qui est nouveauté, ce qui peut vous apporter du bien-être sont favorisés parce que vous allez sortir d'une phase, comme je le disais tout à l'heure, qui ne vous convenait plus, où vous n'étiez plus bien avec vous-même ou avec les autres ou dans une situation donnée, dans votre travail, etc. Donc il est temps de faire bouger les choses. Et c'est pareil avec ce 7 de bâton, comme c'est la persévérance, apprécier le voyage, c'est vraiment d'être dans une observation de chaque instant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut angoisser, mais d'être dans cette phase-là, d'être vraiment attentif à ce que les choses évoluent. Comment dire, évolue toujours en progressant. Non, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'il y a une évolution stable, j'ai envie de dire, hein, que ce soit pas en dents de scie, que ce soit quelque chose de fluide. Ensuite, on termine avec la demoiselle de bâton, hein, on retrouve un petit peu comme la danse de la vie, hein, cet appel au fond de soi, ce feu créateur, cette nouveauté, il y a quelque chose, il y a peut-être un regard neuf, hein, sur quelque chose, sur une situation, sur vous-même aussi. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses récemment, que vous avez pris conscience que vous étiez une belle personne, que maintenant vous voulez vous réaliser avec authenticité
Voilà, et faire les choses comme vous, vous en avez envie et pas en vous adaptant tout le temps aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter du tout. Il faut composer avec, certes, mais en vous affirmant peut-être un petit peu plus aussi. En vous affirmant, avec la reine d'épée, avec une certaine clairvoyance et intelligence. La reine d'épée a une certaine expérience. Donc il y a le début de quelque chose et on a cette reine d'épée qui vient canaliser un petit peu cette passion, cette fougue hein, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais tout de suite, vous allez avoir cette sagesse et cette intelligence de. Je prends du recul, hein. La reine d'épée, elle prend du recul, elle voit les choses au loin, hein. On ne la berne plus. C'est juste ma pierre. On ne la berne plus, elle connaît la vérité. Elle se connecte à son côté intuitif, mais elle est très réaliste par rapport à une situation. Donc il y a encore cette stratégie qui ressort aussi, hein. Parce que oui, effectivement, elle veut agir, mais elle n'hésitera pas à s'affirmer justement, à dire non, à trancher dans une situation, dans une discussion, peu importe, pour justement ne pas se laisser affaiblir, ne pas encore être en position, bah non, bah tant pis, c'est comme ça, j'accepte. Non, bah non. Voilà, on est dans une semaine comme ça d'affirmation aussi. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles choses qui arrivent ou comme j'ai dit ou que vous allez provoquer. Et on finit par me dire parce qu'elle a sauté et donc je l'ai gardée et nous avons le hiérophante, voyez. Il y a un savoir, il y a une connexion aussi particulière hein, avec celle-ci aussi. Il y a une connexion particulière et c'est comme si vous étiez aligné avec cette reine d'épée en toute conscience. C'est-à-dire que vous êtes connecté, vous avez une voix intérieure qui vous appelle, l'intuition, vos guides, peu importe. Et en même temps, là, vous allez le conscientiser dans la matière et que maintenant, vous allez agir pour vous et pour votre bien-être, mais aussi avec le hiérophante, aussi transmettre votre savoir. Le hiérophante, c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on écoute. Donc, vous allez savoir vous faire écouter. Vous allez peut-être prendre la parole en public. Vous allez être sûr de vous parce que vous savez, vous connaissez, vous avez connaissance des projets, vous avez connaissance, voilà, vous avez pris connaissance de tout, aussi bien dans la matière. Qu'au niveau instinctif, j'ai envie de dire qu'au niveau intuitif, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une forme d'alignement et c'est très bien parce que j'ai l'impression que c'est une semaine qui est très encourageante, qui nous encourage justement de sortir d'une phase d'ombre, d'une phase où on peinait à avancer. Il y a peut-être des déblocages pour certains d'entre vous et vous allez peut-être l'initiateur de ce déblocage et c'est bien parce que c'est encourageant et là vous pourrez être fier de vous. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un regard neuf, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Donc prenez en fonction d'eux. Donc ça peut être par rapport à une situation donnée, dans un domaine donné, que ce soit relationnel ou sentimental. Ou sentimental, relationnel dans sa généralité. Donc à vous de voir. Donc on est dans des semaines comme ça d'action, mais d'une action, comment dire, mesurée, effectivement. Mais on a envie. Il y a cette envie-là au plus profond de vous. Vous savez, dans le ventre, hein, moi je relie le bâton au chakra sacré, là, le chakra en dessous, le nombril, l'orange, là. Mais quelque chose en vous et vous avez envie de mettre en place. Et on canalise tout cela parce que vous avez cette sagesse, l'expérience aussi. Et que vous savez que bah, si vous foncez tête baissée sans réfléchir, décidément les lapsus en ce moment, comme dans mes cours. Tête baissée, ça va pas fonctionner. Donc là, vous allez faire preuve vraiment d'une certaine intelligence avec cette reine d'épée et vraiment de clairvoyance. Alors, certains vont dire, ouais, mais la reine d'épée, elle est un peu froide. Mais aussi, c'est intéressant parfois aussi de se détacher. Elle sait se détacher aussi. Hein. Elle va pas, elle s'exprime que quand il faut. Elle attend le bon moment aussi pour agir. Voyez, elle prend son temps. Elle le sait. Elle le sent. Voyez. Et puis voilà. On va faire la synthèse. Donc nous avons dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie ce que je crois possible. Alors, ce qui est intéressant, dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie ce que je crois possible. Il peut y avoir une certaine dualité, effectivement. Par exemple, on peut avoir des rêves et puis bah, concrètement par rapport aux différents facteurs de votre vie, ça peut être un petit peu compliqué. Et pourquoi ne pas croire en vos rêves? C'est pour ça que je vous le disais avec ces deux bâtons de persévérer. Pourquoi ne pas tenter? Voilà. Alors bien sûr, certains d'entre vous, oui, mais là c'est compliqué. Je suis d'accord. Mais si on ne commence pas quelque chose, ben, on ne saura jamais. D'accord? Après, bien entendu, ce sont des choses réalisables, on est bien d'accord. Hein, on ne va pas devenir joueur de tennis à 50 ou 60 ans, professionnel, etc.
Voilà, vous êtes suffisamment lucide pour le savoir avec cette reine d'épée, mais qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez commencer aujourd'hui, pourquoi pas réaliser une partie de vos rêves, si vous n'avez pas réalisé les autres, mais peut-être certains, ou peut-être que vos rêves ont évolué au cours de votre vie, et pourquoi pas? Vous le savez, hein, voilà, en général, plus on avance dans la vie, plus on a conscience des choses, et le tout est vraiment d'avancer vers ce qui nous met en joie et qui nous donne le sourire et qui nous donne espoir, voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc le message est très intéressant et très complémentaire. Pour vous aider dans tout cela, le petit conseil au mantra de la semaine, nous avons Grenat. En rouge foncé, hein. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors effectivement, là, ça va me parler d'ancrage, d'être réaliste, de conscientiser les choses, de faire appel effectivement à votre instinct primaire, à ce qui vous passionne, de les conscientiser, de se sentir guidé, mais de faire preuve de douceur et de bienveillance aussi, de se sentir inspiré, voilà, je cherchais le mot, d'accord, pour agir en toute conscience, avec tout votre savoir, tout ce que vous avez acquis, ou vous renseigner, parce qu'effectivement, vous allez vers de nouvelles choses, ou de nouvelles choses viennent à vous pour vous éloigner de l'ombre, hein, pour être vraiment en phase avec vous-même. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Vous êtes parés, hein. Encore merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.